Et bonsoir tout le monde, c'est Piki et bienvenue pour ce deuxième épisode sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Et donc, on va continuer, on va entrer dans le premier donjon. Alors, on peut aller sur les côtés. Ok, ça nous ramène là, c'est totalement inutile. Temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. N'aie pas peur, je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble. C'est pas rassurant tout ça. Je peux pas casser les poux avec un coup d'épée. C'est nul. Obligé de les casser, enfin de les soulever et tout. Ouais, surtout que ça sert à rien du tout. Bon. Ouah. Heureusement qu'il y a de l'ombre. Hein. Ça, je peux pas les allumer. On croira des trucs pour foutre le feu, quoi. Il me faut une clé. Ah d'accord. Ok, il y a des interrupteurs. Très bien. Je pensais que j'allais avoir une lampe. Ouais. Ça tombe bien, il y avait une porte ici. Mince, cette porte est fermée à clé. Plus maintenant. Ok. Tu dégages. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Oui, merci pour les touches. Allez hop. Et ça aussi, on peut le tirer. YOLO! Ok, j'espère qu'il n'y a rien de caché dans les pots. Genre une clé, ce serait un peu bâtard. Apparemment non. Il n'y a pas un passage là? Allez! Ah merde! C'était évident qu'il y allait avoir un passage. Ah oui, c'est vrai, faut faire tourner le tonneau. Je me souviens un peu. J'ai de vagues souvenirs. Alors lui, je peux pas encore le tuer parce qu'il me faut l'item. Il est quand même grand ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié. Ce n'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Et donc on peut pas le tuer cet ennemi puisqu'il nous faut l'item qu'on récupère pour pouvoir... Comment dire? Pour pouvoir faire les énigmes et le boss, hein, c'est toujours le même schéma dans les Zelda. On fait un donjon qui nous fait loot un item qui nous permet de passer les salles et de passer toute la... Tout un peu les énigmes du donjon, quoi. C'est un peu l'item qui nous permet de tout faire dans le donjon. Qu'on récupère à chaque fois. Oui, faut peut-être pousser ce truc là. Toc. Toc. Du coup, le tonneau. Est-ce qu'il roule maintenant le tonneau? Ouais, là par contre, ça va être chiant pour passer. Non, c'est... T'as vu, le tonneau a bougé? Oui! Ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment cool. J'adore. Et du coup l'item généralement on le récupère en faisant... Enfin en battant un mini boss. Hein. Toujours pareil. On peut pas le pousser? Ok. On est super lent sur ce truc là. Marre-toi toi. Je te défonce. Ok, loot-toi rien, ça me dégoûte. YOLO! Waouh. J'ai fait un saut de ouf. Oh, il y a un gros coffre. Putain, ils sont géants leurs coffres. Ah, il y a un quart de cœur dans un donjon. Vous avez trouvé la carte du donjon? Trop bien. Il manque plus que la boussole et on est bon. Ok. Du coup, là, il y a une espèce de traînée. On va s'arrêter là. Je peux pas?
Ouf, c'était tendu. On va vite fait déjà pousser ce truc là, voilà. Merde, j'ai perdu. J'ai perdu les PV. C'est bon, je les ai regagnés. Ok. Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle. Ça tombe bien, il y a un petit pot. C'est pas comme s'il y avait Isaïmine traîné en plein milieu, histoire de dire... C'est comme ça qu'on fait, quoi. Allez, barre-toi. Non, y a rien à faire avec ces blocs-là. Et avec ceux-là. Ok. Je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets. Eh, t'as pas pu me le dire avant, c'était un peu... Tout le concept du donjon du début, c'était de déplacer des trucs. Connard. Ouais, une petite clé de revient. Du coup, on a fait les deux salles là. Ok, ok. Il ne reste plus que les salles de droite à faire et celle du haut. C'est bien, c'est que le pot n'est pas retourné à sa place. De toute façon, va falloir comment on va l'atteindre lui. En haut, pas en haut, ok. Ok, ça valait le coup, toi, que je te déplace si c'est pour revenir à ta place initiale, enculé. Du coup, pour aller en haut, je crois que c'est. Oui. Par ici. C'est ça. On va déjà passer par là. Je peux pas? Pourtant, il n'y a pas de serrure. C'est de la merde. Ah, là, ça nous permet d'aller un peu plus bas. Barre-toi! Zut, je peux récupérer le petit truc. Ah putain. It's a trap. C'est là où il y a le quart de cœur? Pas du tout. Ok, c'est un raccourci. Moi je veux le quart de cœur. Je peux pas encore y aller, j'ai pas l'item. Il y a encore un quart de cœur. Mais putain, mais il y en a combien dans les donjons les quarts de cœur? C'est fou ça. C'est fou. Oh, un cœur. Ouais, rubis de 5. Trop ouf. La folie. C'est la folie. Ah merde. Monsieur fail. On perd pas de cœur quand on tombe dans l'eau. Okay. Qu'est-ce que c'est de la merde? Mais non! Le petit pont. Nickel. Putain, j'aime pas quand on peut... C'est nul de pas pouvoir détruire les pots avec notre épée quand même. C'est un peu de la merde. Un peu beaucoup de la merde. Ok. Je suis un peu confus. Je me suis fucked up. Ah, les ennemis ne réapparaissent pas. Ok, ça déjà c'est cool.
Comment je suis censé faire? Faudrait que je monte sur la plateforme du haut pour redescendre entre les deux piliers, ce serait ça le délire. Ah d'accord, ok. Si on peut les pousser en arrière, ça sera peut-être plus simple en effet. C'est bon. Y a compris. Putain, je pensais qu'on pouvait les pousser que... Enfin, qu'on pouvait que les pousser mais pas les tirer en fait. Du coup, ça n'avait pas de sens. Et j'étais un peu confus pour le coup. Oh mon dieu! Trois coccinelles! Et une petite clé. Hop. On a tout fait en bas? Oui. J'ai pas envie d'aller là pour le moment. Je sais pas s'il y a... Ah! Bande de bâtards. Ok, ici. Ah bah c'est le mini-boss. Ah oui d'accord. Ah, faut aller attendre qu'il soit vulnérable. Ok. Oh le spam! Merde. Hein? Allez. Voilà. Ah putain, il manquait un coup. Du coup, on devrait débloquer l'item qui nous permet de... Voilà, le pot magique. L'item du donjon. Comment on remplace des items? Ah non, c'est là que ça sert à rien. Voilà. Ouais! Du coup, on va récupérer... Là, il y avait le cœur, normalement. Si je ne dis point de bêtises, parfait. Le quart de cœur. La porte est ouverte maintenant, d'accord, il se foutait de ma gueule. Et là, voilà, du coup là c'est un peu plus intéressant. Et on trouve un item, et je te balance un pot dans la gueule. Ça déverrouille un coffre. Des coquillages surprises. Et encore un truc. Encore un coffre. Encore plus de coquillages surprises. Putain. Putain, ça c'est chiant par contre. Encore, ouais. Un escalier. Une plateforme pour stepper. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc là par contre. Comment on y va sur cette espèce de plateforme bleue? Aucune idée. Je sais pas. On va voir par la suite si on peut y accéder. Ouah, 20 coquillages.
fois à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Merde. Donc on va descendre. Il y a un coffre. La boussole. Nickel. Du coup, il y a un coffre dans cette salle. On a oublié un coffre dans la salle du haut. Et là, c'est juste avant le boss. Ok. Ah bah. Merde. Remerde. Heureusement que ça fait pas perdre de points de vie. Zut. Ah oui. Mais non, c'est de la merde. comment on va faire? Comment on va s'y rendre? On peut pas le prendre comme ça. Comment on fait? Est-ce que si j'éteins les flammes... On peut pas éteindre les flammes avec ça? Pourtant ça fait du vent. On va retourner dans la salle d'avant. Merde. C'est nul. Je comprends pas, ça m'énerve. On laisse tomber. Peut-être que la solution viendra plus tard. Par contre, faut aller où? Ah oui, dans le tonneau. Mais ça me fait un peu chier parce que ça, j'arrive pas à l'avoir non plus. Je sais pas comment l'avoir non plus. Du coup, ça, c'est de la merde. Ok, là, il y a un coffre, mais on va l'avoir facilement. Voilà. Des coquillages surprise! Oh mon dieu! Merde, peut-être pas. Dans ce petit trou. Bah ah oui, je me souviens vite fait de ça. Nous voilà bien embêtés. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Allez, viens là. Ouais, ça faut faire des petits pouk. C'est Disneyland.
Faut qu'on fasse toutes les pièces, hein. On va d'abord faire celle par ici. Allez, je me gare, putain. Créneau, un petit créneau. Nickel. Bien sûr, il fallait mettre un coffre dessus. On va aller voir l'autre coffre. Parce que j'ai peur que par là, ce soit la suite pour aller au boss, en fait. Oh là là. Ah ! Il me faut une clé. Pas du tout, en fait. C'est par là qu'il va falloir aller. C'est fou quand même que ce jeu, il date de 2004. C'est quand même fou. On peut pas le poser. Je vais avoir un problème. Mais non, c'est bon. On fait ça. Ah merde, je veux gourde touche. Je suis pas habitué. Hop. Pop, 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 pop. Va récupérer la clé. Quel bon jeu. Quel bon jeu de merde. C'était une petite clé. Putain, et dire que ça m'a pris la tête. Bon, bah il me reste plus qu'à découvrir comment avoir l'autre quart de cœur. Et puis on est bon, hein, je pense. J'ai eu peur, t'sais. Vous ne passerez pas. Zut. Toc toc, on ouvre la porte. Ah, je peux le faire avec ça? Lol. C'est nul. Mais ça sert à rien. Ah bah si. Oh nickel. Pas du tout. Ah c'est mieux là. J'adore. Putain non, ça c'est de la merde. J'aime beaucoup cet item. Et la mécanique de ce donjon, du premier donjon, est vraiment excellente quoi. Espèce de souffleur là. C'est la grande clé. Ils auraient pu faire un coffre jaune ou un truc du genre quand même, c'est abusé. Dis-moi que ça ne t'épelle où je pense. Oh, d'accord, c'était au début du niveau. Nickel. Ouais. Bah, je pense qu'on a tout trouvé, hein. Eh oui, tout est vide à part le boss. Du coup, c'est par où? Parce qu'il y a deux endroits, là. C'est les deux endroits descendent. On va bien voir. Non, ça, ça monte. Non, ça, ça descend. Je ne sais pas. En tous les cas, ce n'est pas grave. Oh non! On va aller chercher le coffre. On va pas se faire baiser. Bien entendu. Bon, au moins on a eu les verres 8. Voilà, c'est parfait.
Et du coup, let's go pour le boss. Pas du tout. Ok, il l'a aspiré super rapidement. Oui! En fait, le boss, c'est un mob lambda quand on est... Quand on est de taille normale. Ah putain, il me pisse dessus, l'enculé! C'est un métamorphe chromatique. Boum. Et non, saute pas! Ah, relou. Ah, c'est vrai, je peux faire des roulades. Comment je fais? Je suis censé faire quoi? Ok. Spam! Ah! Culé. Merde. Putain. Du coup, en fait, il y a juste à attendre ici. Putain, y'a un... Mais t'es relou! Hey! Calme-toi! Oh là, j'ai trop géré. Et bon, il explose! L'élément de la terre. T'attends, t'attends. C'est pas ça la musique de Link. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toute chose. Je sais pas qui parle. C'est pas grave. Un réceptacle de cœur. Et hop, salut! Alors vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire! Hé hey, l'ancien, t'es où? C'est toi? Tu as réussi à trouver l'élémentaire! Malgré tous ces monstres qui rôdent, l'ancien sera surpris de l'apprendre, les humains sont vraiment très forts! Qu'est-ce que lui l'ancien? Ok, merci. J'ai bien fait de passer par là, moi, dis donc. Bon, bah, on a 5 heures déjà. En 2 épisodes, c'est un peu la folie. J'avais pas le souvenir que c'était aussi généreux en réceptacle de cœur. Et en cœur de... Enfin, plutôt en cœur de cœur. Okay, je vais où? C'est pas là-dedans, je dois aller... C'est la porte qui relie les mondes des mini à celui des humains pour faire venir. Ta mère, nique ta mère. M'en fous de l'histoire des mini moi. C'est des maisons, c'est nul. C'est chiant. C'est là. Ouais. Tu as trouvé l'élémentaire? Mais pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquable pour trouver le prochain élément. Il te faut te rendre au mont Gongle. Google, on va l'appeler mont Google, comme ça, ce sera plus simple. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir, l'esprit tranquille.
passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez, Bigouze, en route pour le mont Google. Salut les nazes. Eh, hey, une maison, là. Salut. Eh hey. Une petite tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Picouze, l'humain qui a trouvé l'élémentaire. Putain, mais tu es déjà au courant, merde. J'en étais sûr, j'ai entendu parler de toi à la télé. Je suis Belta, un inventeur, je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retrouver... de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations, ça t'aidera à te frayer un chemin. Ah ouais, le sac de bombes carrément contient 10 bombes. Je savais pas. Putain, c'est cheaté. Le mec, il... Je pensais que ça allait être un vieux PNJ de merde qui me racontait sa vie, mais en fait pas du tout. Bon bah c'est cool, hein. C'est quoi ça? Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé! Cam, regarde là, un endroit où il y avait la stèle! Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bien, je vais te dire un truc, ce symbole... Je sais pas ce que c'est. Il est marrant, lui. Je l'aime bien. Ok. C'est sûrement... C'est sûrement pour nous dire que... Tiens, d'ailleurs, je peux pas utiliser mes bombes, là. Merde. Ah putain. On va peut-être d'abord aller dans la maison Miniche. Merde, j'ai posé une bombe. Oh le con. Mais ça va faire l'animation à chaque fois? C'est nul. Regarde un peu ce fragment! T'en avais déjà vu un comme ça? Quoi? T'avais jamais vu de fragment? Reviens-moi voir si t'en trouves. Ah oui, c'est les fragments à la con de merde. Grandir. Du coup, là, on va pouvoir bomber. Des coquillages, c'est de la merde. Et si je tue les chauves-souris, j'ai pas quelque chose en plus? Non, c'était dans mes rêves. Ok. Lol, c'est qui ça? Du coup, c'était pas du tout un PNJ inutile parce qu'il... Puisqu'il nous permet de... d'aller un peu partout. Merde, mais pourquoi je bombe, moi? Je veux parler au mec. Je suis Muto, maître charpentier. Le roi m'a chargé de réparer la ville. On est en plein boulot, petit gars. Tu pourrais te blesser du balai. Je pourrais me blesser, mais... C'est moi qui suis en train de te mettre en PLS, là. Ah ben merde, il bloque le passage, c'est con. Ah, t'es pas mort, toi? Putain, vous êtes combien? La carte. Du coup, j'imagine que c'est au rouge que je dois me rendre. Aïe. Oh, il y a le gamin qui bave. Approchez, approchez, et venez essayer les fragments du bonheur. Trouvez ceux qui vont de pair, emboîtez-les, et la chance vous sourit.
Distribution gratuite de sacs à bonheur pour ranger vos fragments. Le bonheur est à la portée de tous, ne ratez pas cette occasion unique. Tu en veux un toi aussi, c'est gratuit pour les enfants. Et hop, un sac de bonheur pour le jeune homme. Trop bien. Et du coup, c'est ça qui nous parlait le Minish tout à l'heure. On dit que ça porte bonheur d'emboîter deux fragments. C'est ce qu'on appelle un assemblage. J'ai glissé un fragment dans ton sac, tu peux essayer avec moi si tu veux. Tu peux repérer le gens qui ont des fragments à la bulle machin, ouais c'est ça. Tous ceux qui ont l'espèce de symbole, du coup on peut faire des assemblages. Je sais plus exactement ce que ça donne. Comment on fait? L. Voilà. Deux fragments sont assemblés, la chance va peut-être vous sourire. Du coup, il y a les verts, c'est de la merde, les bleus, c'est rare, les rouges, c'est très rare, et je crois qu'il y en a même qui sont marrons, si je dis pas de bêtises, qui sont très 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 rares. Ou alors non, les marrons, c'est pour les spéciales Goron, d'après mes souvenirs. Et voilà, ça permet de créer des ouvertures, ou il y a des rubis ou des trucs rares, je sais pas. Et voilà, ça devrait nous porter bonheur. Allez, au revoir, petit gars. Ok. Ouais, je pose des bombes. Putain, mais c'est de la merde, je me gourre. Faut pas que je pense des bombes comme ça. Je pense qu'on va terminer cet épisode numéro 2 ici. J'espère qu'il vous a plu. Et on se donne rendez-vous prochainement pour l'épisode numéro 3. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Toutou.